Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un 15e épisode de ce Let's Play Stationeer sur serveur communautaire. Et bonsoir Demon Dracos, bonsoir Lexavlima, ça ne fonctionne pas de se connecter au serveur, non, c'est pas normal. Est-ce que t'es le seul à avoir ce problème? C'est bizarre. Normalement, tu devrais pouvoir te connecter au serveur. Et bonsoir, Dicox. Comment on se connecte au serveur? Faut demander au bot l'adresse pour pouvoir se connecter. Hey, c'est pour ça que ça marche pas. T'as un message épinglé, Lexaf, qui te permet de demander sur Discord. Tape slash serveur connexion et ça il te répond avec l'IP au bout de quelques instants. Parce que l'IP change tout le temps, c'est prévu pour, ça évite que n'importe qui se connecte. Faut être chez moi pour se connecter. Eh ben, pas de soucis, Nicox, ben, ça fait plaisir de te voir en live. Hésite pas à te connecter aussi si tu veux. Tu passes sur le Discord, tu tapes serveur connexion. Enfin, si quelqu'un a tapé serveur connexion, l'IP elle va plus changer. Elle restera là tant que tout le monde est connecté. Et derrière, tu peux te connecter aussi. Donc. Moi, j'avais une baraque à continuer. J'avais fait cette terrasse la dernière fois, mais je me repose des questions par rapport à ce que je veux faire exactement. Typiquement, je me dis que peut-être que je vais faire une petite serre de ce côté-là. Et du coup, que je vais virer ce toit vitré-là. Je voudrais mettre un petit sas ici qui s'ouvrirait. Par où il s'ouvrirait? S'ouvrirait comme ça et comme ça. Et ben merci Nicox. À 150 heures de jeu, c'est déjà pas mal. J'avais pas beaucoup plus que ça quand j'ai commencé le premier épisode de la saison 1. Alors, donc, est-ce que j'avais des sacs à dos avec de quoi construire? Oui. J'ai des walls, des flat walls, pas dit des géométriques. Lexaf qui se connecte. Alors du coup, Lexa, si c'est la première fois que tu te connectes, alors le but de ce serveur communautaire, c'est de se faire un petit village. Donc il y a essentiellement Saddam et Greg Peck qui bossent énormément sur les parties communes. Je suis pas sûr de comment tous les systèmes fonctionnent, mais tu peux te servir des imprimantes qui sont dans les parties communes pour te faire le petit lag. Voilà. Tu peux te servir des imprimantes des parties communes pour te faire du matos et puis tu vois ce que tu fais. Alors que je vois quelque chose là-bas. Ça n'était pas la dernière fois. Il y a quelqu'un qui s'est installé ici? On dirait bien. Il va falloir qu'on pense à mettre des petites pancartes avec marqué chez qui on est. Ah, on est chez XK. Coucou XK. Il va se connecter tout à l'heure, il m'a dit. Peut-être que je mette un peu de lumière moi aussi sur ma baraque.
histoire de pas la rater. Puis surtout que je rallume. Ça fera de la lumière si l'atelier est allumé. Ah oui, il y avait Greg Peck qui m'avait changé mes panneaux solaires. Je n'avais pas dit merci en live, mais il m'avait dit qu'il m'avait changé ça. Donc, ça je peux démonter parce que de toute façon, intérieur-extérieur pour le moment c'est pareil. Ploum ploum ploum. Donc si je mets... Ah, je mettrais peut-être un petit peu plus grand que ça quand même. J'avais mis cette vente ici. J'avais mis cette vente de ce côté-là. Que je vois si je peux pas décaler cette vente en premier. Ah. Je peux pas te mettre par là, bien sûr. Je pourrais te mettre carrément de ce côté-là. Et auquel cas... Auquel cas je viens de relier l'intérieur à l'extérieur. Ouais, donc c'est pas un bon plan. Je peux pas passer de ce côté-là. Je peux pas passer de ce côté-là non plus. Je peux pas passer de ce côté-là non plus. Oh, je me suis bloqué complètement. Oui, je pourrais. C'est vrai qu'en démontant, j'y verrai plus clair. Salut, Mandragos. Comment je pourrais passer ça?
je mettais la vente de l'autre côté, je pourrais faire... Je pourrais la mettre là. Comme ça. Je pourrais mettre ma vente ici. Si simplement je déplaçais ça. Ouais. Batterie charger, tu vas bouger. Cette vente là, tu bouges. Toi. Tu peux aller là. Ce qui veut dire que toi ici. Je peux te replacer plus par là, clac, 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 clac. Toi à côté. Pour l'instant, je te colle comme ça. On va voir où je te positionne après. Du coup. La disquette. Toi, tu vas pas être content, il va falloir que je te reset. Ouh, je pense que je suis des syncs. Est-ce que tu me vois, Alexa, là, de l'autre côté de la vitre? Tu me vois ou pas? Dans le sas. Ouh, je suis des syncs. Je pense savoir où je suis. Ok. Je pense que je suis encore... Ouais, voilà. Hop. Toi. Si je te lâche ici. Un Greg-Pec qui se connecte. Et coucou Greg-Pec. Je suis desync. Alors du coup, j'ai relâché ma... mon Advanced Airlock. Où est-ce qu'il va être tombé? Je vais faire le test avec des trucs qui coûtent rien comme... scotch ou une bouteille d'eau. Est-ce que tu me vois, Greg Pack, toi? Je rentre dans un lit, que je ressors du lit. Je devrais être visible. Je pense que je suis complètement desync. Du coup, elle est passée où ma carte ?
Je suis dans le sas, hein, Greg Peck, donc si tu me vois encore là-bas, c'est que je suis des sync. Alors par contre, Lexa, je sais pas ce que tu... Ça, c'est mon chez-moi. Les parties communes, c'est là-bas. Comme tu ne me vois pas. Je te vois. C'est pas ici qu'il faut que tu fasses. Ici, c'est chez moi. C'est privé. Il faut aller aux parties communes qui sont là-bas. Le grand truc. Non, tu me vois pas, je suis des signes. Je me déco et me reco, je pense que ça sera plus simple. En espérant que je ne sois plus des signes. Le plus chiant, c'est que du coup, quand je largue un truc, ça pop quelque part, mais je sais pas où. Qu'est-ce que je pourrais larguer qui coûte rien à refaire? Le style sheet. Ouais, je sais pas où elle part. Je sais pas où elle est partie, ma steel sheet. La carte est devant le casier de la base. Alors après, Alexa, tu peux venir visiter mon chez moi, mais c'est pas ici qu'il faut que tu fasses les trucs. Ok, alors là, j'ai récupéré ma steel sheet devant le casier de la base. Devant le casier de ma base? Devant le casier de ma baraque? C'est bizarre. Ma steel sheet était là-bas. Ça, c'est les problèmes qu'on avait eu sur la coop. Des problèmes de desync comme ça. Devant le casier chez moi. Non, non, là, il y a une carte network analyzer, une carte tracker. Tout à l'heure, j'ai pas vu, hein. C'est qu'une carte Advanced Airlock, il fallait que j'en refasse une deuxième de toute façon. Je vais me déconnecter et me reconnecter, ça sera encore le plus simple. Parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener cette histoire. Quand la barre de chargement est sur le côté, c'est bizarre. Pas bon signe. Alors. Pas de carte au niveau de mon casier. Tiens, un crâne. Je peux larguer un crâne. Ok, et là je suis plus des sync. Bon bah si quelqu'un retrouve ma carte de... c'est cadeau, je vous la donne. Je vais en refaire deux de toute façon. Ploum, ploum, ploum.
Et perdu. Gagné. Alors. Perdu. Gagné. Active vent. Perdu. Gagné. External 0. Internal 0 pour l'instant. C'est quelle planète? C'est Mars. Un petit Mars tout simple, tout habituel. Ok. Bon, ceci dit, tant que j'ai pas fini ça, autant. Non, c'était pas l'event. Voilà. T'en laisser ouvert. Je pense que tu peux, Lexa, te servir en directement en lingot. Ou alors, attends Greg Peck pour savoir comment te servir des fournaises. Greg Peck ou d'autres, d'ailleurs. Tu peux aller sur le vocal qui est à côté du... qu'il y a dans le groupe communauté sur Discord. Tu retrouveras ceux qui vont se connecter dedans. Moi, je ne m'y mets pas pour pas que ce soit le bazar sur stream. Mais les autres devraient s'y mettre. XK, t'as réussi de te servir des fournaises, t'as rien compris. Salut XK. Du coup. Est-ce que j'ai des portes? Non. Je me fasse une paire de portes pour là-haut. Et du coup, j'ai réussi à décaler ma vente. Donc, on va se décaler ça. Ah, j'ai pas recablé mon... J'ai pas remis mon... mon battery charger. Il est là. Donc, maintenant, je peux plus le mettre là. Je dois pouvoir le mettre là. Et je dois pouvoir te raccorder par là. Là, logiquement... ça charge. Quoi que c'était à 90, c'est toujours à 90, mais c'est une nucléaire, donc ça charge. Fournaise qui est trop simple pour XK. Tu regardes peut-être pas la bonne fournaise, XK. Connecté? Non, t'es pas connecté. Donc,
on avait dit ça, puis ça. Et ça. Et ceci dit, j'aurais dû vitrer jusque là. De ce côté-là, qu'est-ce que je fais? Je vais vitrer aussi. Jusqu'ici. Ok. Le toit, lui, je vais le faire en plat ou en géométrique? Ah, j'ai que un géométrique wall. J'ai bien envie de faire géométrique par là. Donc il m'en faudrait 1, 2, 3, 4, 8. Et flat ici. Géométrique. Ah non, bah c'est bon. J'en ai déjà un. Juste 7 de plus. Chose comme ça. Ici du flat, ça suffira. Et est-ce que je le mets en flat? Flat. Ok. Côté de ça, donc ça j'ai dit que je le remplacerai par du flat. Ici je vais mettre un flat. J'ai pas beaucoup de padded, j'ai que un padded. Flat aussi. Comment j'ai fait mon plafond dans la dans le sas actuel? Non, j'ai mis un padded. Donc j'ai un padded, il me faut trois padded. Ça me fait deux padded.
Et salut Krios. Did Sin. Non mais je l'ai monté là-bas. Je suis... Tac, les portes. Par ici. Ok. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.